Salut la team, heureuse de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo où je te montre comment je réutilise mes flacons de produits. Alors ici, ce sont mes flacons The Ordinary. Je les fais d'abord tremper dans de l'eau un peu tiède pour préparer avant la chaleur et aussi pour que les étiquettes puissent commencer à se découler. Même si je me suis désinfecté les mains avant, je préfère les récupérer à la cuillère pour ne pas les toucher. Et là, je les mets dans une casserole d'eau bouillante. Alors, sans mentir, j'avais un peu peur qu'ils explosent, mais on m'a dit que non, ça n'allait pas le faire. Ici, je commence à enlever, vous savez, la partie caoutchouc de la pipette. Alors, petit disclaimer, les pipettes ne sont pas normalement réutilisables parce qu'elles ne sont pas faciles à laver, donc il se pourrait que des germes soient toujours dedans. Donc, si vous faites un sérum pour votre visage, il se pourrait qu'il y ait une prolifération de germes, de bactéries, en fait, de choses indésirables. Donc, faites très attention, c'est à votre discrétion. Moi, je le fais pour mon visage, je n'ai pas eu de problème, mais pour vous, c'est vraiment à vous de décider si vous voulez prendre le risque ou pas. Ou sinon, vous faites uniquement des sérums pour les mains et les ongles, comme je vais également faire. Autre option, vous pouvez juste racheter la pipette. Alors maintenant, on va mettre de l'alcool. Alors normalement, c'est un bain d'alcool, mais j'en avais pas assez. Donc j'en ai mis à l'intérieur et sur les bords. Donc c'est pour, encore une fois, désinfecter pour éviter la prolifération de bactéries, de germes, de choses indésirables pour ne pas avoir de mauvaises réactions, surtout si vous utilisez sur votre visage. Donc ici, je passe à la partie sérum. Donc c'est un sérum de nuit pour mon visage. Je vais vous mettre les ingrédients et leurs bienfaits. Évidemment, si tu as un entonnoir, c'est beaucoup mieux. Tu vois déjà comment je galère.